Ici, l'actualité nous parle de Vital Kamerhe qui remporte l'élection primaire pour le perchoir de l'Assemblée nationale. C'est bien sûr à l'élection primaire de l'Union sacrée pour départager trois candidats en course pour la présidence de l'Assemblée nationale en RDC. Vital Kamerhe l'a remporté face aux deux autres challengers, à savoir Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso. C'est une victoire importante pour Vital Kamerhe qui a su convaincre ses pairs de sa capacité de diriger l'Assemblée nationale avec compétence et intégrité. Ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Kamerhe est un homme politique expérimenté et respecté en RDC. La victoire de Kamerhe à l'élection primaire témoigne, d'après son camp, de sa popularité et de sa capacité à rassembler les députés derrière lui. Cette élection est également un signal fort de l'unité au sein de l'Union sacrée, la coalition au pouvoir en RDC. Vital Kamerhe a promis de travailler en étroite collaboration avec le président Félix Tshisekedi pour mettre en œuvre son programme de réforme et de développement pour le pays. Je vais faire de l'Assemblée nationale un vrai temple de démocratie, renforcer les contrôles parlementaires. Je veux que tous les mercredis et à chaque fois qu'il le faut, un ministre vienne s'expliquer sur sa gestion. Que je gagne ou que je perde, je resterai loyal au chef de l'État, a déclaré Vital Kamerhe durant sa campagne. D'après un élu qui a participé à cette élection primaire, l'avènement de Vital Kamerhe marque le début d'un nouveau chapitre pour l'Assemblée nationale en RDC. Avec Vital Kamerhe, les députés peuvent espérer un leadership fort et visionnaire pour relever les défis auxquels le pays est confronté, a-t-il indiqué sous couvert d'anonymat. Au total, 372 députés nationaux, membres de la famille politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, ont pris part au vote. Vital Kamerhe est arrivé en tête avec un peu plus de la moitié des suffrages exprimés. Il est suivi de Christophe Mbosso et Modeste Bahati Lukwebo qui ferment la marque.